Je m'appelle Eva Kiraya. Je suis professeure agrégée à l'École de physiothérapie et ergothérapie à McGill. Et je suis chercheure au CRIR à l'Hôpital juif de réadaptation 6 de Laval. Alors, ce qui m'a amenée au Musée de Beaux-Arts et à ce projet de recherche, c'était ma visite à l'exposition sur l'expressionnisme au musée. Je suis allée la dernière journée de l'exposition. La salle était pleine de monde. Là, j'entends une dame dire à une autre, elle essayait de lire la cartelle qui était à côté d'un tableau. Elle dit, je ne peux pas la lire, les lettres sont trop petites, c'est très sombre et je ne comprends rien. L'autre dit aussi, oui, moi aussi je ne comprends rien. Alors en écoutant ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour rendre les cartels et le langage et les informations dans le musée plus accessibles à tout le monde. Ce que je trouve très important, c'est que ce n'est pas juste regarder le tableau. Oui, on apprécie le tableau, mais on peut apprendre et apprécier différemment si on comprend aussi les informations qui accompagnent le tableau. Alors, le but de notre projet était de contribuer à l'accessibilité du langage et de la communication dans le Musée de Beaux-Arts de Montréal, particulièrement pour les personnes avec déficience physique et limitation de langage de communication suite à un accident cérébrovasculaire. Pour faire ce projet, c'était primordial qu'on ait le partenariat avec le musée. La méthode que nous utilisons dans ce projet, c'est une méthode participative où chaque partie prenante a sa place et contribue au projet. Alors, les chercheurs, les cliniciens, les étudiants, avec Louise, on a travaillé ensemble pour étudier les textes, pour les transformer et par la suite pour accueillir les participants et faire le projet de recherche. Alors, je m'appelle Louise Giroux, je suis responsable des programmes éducatifs en mieux-être au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Avec l'équipe de recherche qui sont spécialisés à rendre les environnements plus inclusifs. Alors, ils nous ont fait une liste de recommandations. Ils ont regardé le musée, ils sont promenés partout, ils ont regardé plein de choses, ils ont pris des photos, ils ont mesuré, ils ont regardé ça, puis ils ont fait une liste de recommandations pour rendre le musée plus inclusif. Et ça, c'est les chercheurs. Alors, ça rejoignait nos valeurs d'accessibilité et d'inclusion. C'est comme, oui, on veut être inclusif, on a fait quelques pas, mais comment pourrions-nous aller de l'avant et améliorer l'inclusion et l'accessibilité, non seulement au bâti, c'est-à-dire au bâtisse, mais aussi à la communication. Alors, on se dit, si on rend le langage disons, plus facile à lire et à comprendre ce qui est communiqué par les cartels, bien là, à ce moment-là, on peut rendre n'importe quel cartel plus facile d'accès. Puis on l'a aussi bonifié des images, on a simplifié les phrases, on a ajouté des images visuelles qui font en sorte que la compréhension s'améliore. Dans le projet Musée pour tous, ce qui m'a rendue le plus fière était d'entendre les participants, des participants qui n'étaient jamais allés au musée, personnes aphasiques, leurs accompagnateurs, dire qu'ils aimeraient bien retourner au musée, qu'ils avaient hâte de retourner au musée. Si j'avais un souhait pour la recherche de demain, ce serait d'en avoir davantage, d'être partenaire plus souvent, puis plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des bons partenaires, on veut les garder. Puis il y a des bénéfices dans les deux sens, je pense.